Hey, salut les amis, c'est Aquasis, on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Lucius. Alors attendez, j'ai oublié. Putain, elle pète un câble la pauvre. J'ai regardé donc une petite solution butée sur internet parce que ça m'avait l'air très compliqué. Il faut que je pose ça. Hi, mais on me regarde pas! Il faut que je le pose à côté, je crois. Là, voilà. C'est ça. Alors, Charles a probablement trouvé l'écorce, ce qui veut dire que son esprit est plus vulnérable. Ok. Donc, il va arriver. Il est là. Prends ça! Oh, il va tuer sa femme. Tu n'as pas honte de ce que tu es sur le point. Oh! Et les flics sont là! Oh! Le botomiseur. Headshot. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas possible. C'était pas moi, je veux dire, c'était l'enfant. C'est l'antéchrist. Nous avons tout vu. Vous êtes en état d'arrestation. Lâchez-moi! Reste avec le gamin. Plus de lui, j'appelle du renfort. He eluded until we finally caught him the act. Mais donc en gros ils disent qu'il l'avait dupé, que c'était lui quoi. Qu'il l'avait chopé en plein milieu. Là je suis en train de lire et vite vous expliquer ce qu'il dit. Donc il décrit ce qu'il a vu durant la mort. Charles Wagner killed her right in front of our eyes, and when we tried to apprehend him, he managed to. The kid who witnessed the whole horrible event, and I went. Who witnessed the whole horrible event, and I went after the perpetrator. I was in close pursuit when I lost control of the car and crashed into a ditch. I tried to notify the deputy. There was a chance Wagner would double back. Ouais, voilà. Donc en gros, il a dit qu'il a poursuivi le mec pendant que le second flic était avec Lucius, donc pour entre guillemets l'aider parce qu'il venait de voir sa mère se prendre un clou dans la tête. Et le problème, c'est que le flic a eu un accident. Oh. Hey, qu'est-ce que je vois une croix là-bas. Je vois des croix. Qu'est-ce qui se passe? Donc il dit qu'il essaie de trouver un psychologue. Coucou. Relaxer, comment veux-tu que je me relaxe? Coucou. Oh merde. Ah il va tirer dessus, ok. Hey, j'arrive pas à bouger, c'est peut-être à cause des les croix. J'arrive pas à toucher celle qui est après de la croix. Yes! Une croix au moins, c'est ça! Ok, ok. Yeah! Et elle? Bien! Toutes les croix ont été éliminées. Il y en a une au-dessus de moi? Non, tout est bon. Mais maintenant je fais quoi? Bam! Oh mais en fait j'ai même pas fait exprès là qu'il ait touché ça. Mais ça me donne une idée. Il n'y en a pas un deuxième? Il y en a un deuxième là-bas. Comment on fait pour attirer la truc vers nous? Voilà comme ça. Attendez, je vais essayer. C'est pas facile. Ah je peux pas bouger plus que ça. Bam! Y a pas moyen de le contrôler psychologiquement maintenant? Ah non, là c'est pour oublier et je peux faire quoi? Oh oui, évidemment.
En fait, c'était super simple, j'ai même pas fait gaffe. Ah, zut, il a évité. Il arrive à éviter. Ouf. Il est con, il a pas fait attention. Oh oh. Vous l'avez vu, vous l'avez tous vu, il avait un fusil. Ok, un flic en moins. Putain. Yeah. Oh, j'ai le pouvoir. Pouvoir est en toi, mon enfant. Ok, mais qu'est-ce qui va se passer alors? Ouh là là, là ça devient palpitant là. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'on approche vers la fin du jeu là, parce qu'il y a plus beaucoup de personnages. Oh shit! Oh, j'ai le méga pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Fuck, il fout la maison en feu? Allez, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est très important d'avoir un gentil garçon. Il ne doit pas vous suspecter. C'est un peu trop tard. Comment dire, ils sont tous morts? Oh mon dieu. Allez, dépêche. La fin est proche. Oh, c'est la fin du jeu. Déjà? Putain, j'ai vraiment trop séché ce let's play. En 3 jours, je te l'ai fait. Un peu comme Portal. C'est vrai que c'est un jeu court quand même, hein, il était court. Mais putain, ça valait le coup. Oh, mais c'est pas fini pour autant. Oh, oh là là. Ok, donc il fout le feu à la maison. Wow. Allumez le feu. Oh merde! Il y a les prêtres! Et le père! Oh là 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 là. Oh, oh, oh. Ouh, on va s'amuser. Un de moins. Quoi? Il résiste aux flammes ou quoi? Putain, ils essayent de le sauver. Zut. Ils essayent de sauver Lucius. Sauf qu'à... Eh, va pas falloir que j'y laisse. Ok. Oh putain. Je fais quoi moi? J'ai la boule de feu? Ok, allons-y. Me touchez pas! Ah! Non, me touchez pas! Ah! Qu'est-ce qui se passe? Merde! Ils m'ont eu! Déjà? En un coup, ils arrivent à m'avoir? Vous ne me toucherez pas! On s'en fout qu'ils peuvent me voir, c'est pas le moment. Ne me touche pas. Vous ne me toucherez pas. Putain, il y a la croix ici, merde. Ne me touchez pas. Tu ne me touches pas. Allez, approche. Boum. Double. Ah, c'est quoi ces prêtres à la con là? Pfff. Non, c'est plus que le père. Papa! Marche de... Non, mais je voulais qu'il marche derrière. Je voulais voir montrer explosion derrière. Ça, vu comme il marche. Oh, vengeance catholique. Deux des trois pères. Ah oui, reste le dernier père, mais le père biologique. Ah ah. Joli. Alors, papa, où es-tu? Oh, alors ça c'est beau ça. Coucou papa. Coucou. Te voilà. Tu m'as manqué. Oh, extincteur. Ouh, ça va pas être simple. Il va me tabasser à l'extincteur? Oh putain. Ou alors il va essayer d'arrêter le feu, je sais pas. Mais il vaut mieux faire attention. Tu me touches pas! Ah, il utilise l'extincteur pour arrêter de se... Tiens! Qu'est-ce que je pourrais faire? Il va me frapper avec l'extincteur, je le sens. Ne me touche pas! Attendez. Voyons voir le feu.
Je peux pas passer au travers du feu, zut. Qu'est-ce que je peux faire? Tu me touches pas! Wow, il est derrière moi. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que je peux faire? Putain, il y a le. En plus, il y a la croix là qui me gêne. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas le tuer avec les flammes puisque. Il est où? Il est là. Tiens! Ne me touche pas! Qu'est-ce que je peux faire? La poutre! La poutre qui tombe. Y'a pas moyen? Putain, mais j'ai peur qu'il arrive d'un coup. Là, il est rapide. Tu me touches pas! Bordel! Qu'est-ce que je peux faire? Ah! Je veux pas qu'il me tue! J'ai du mal à. J'ai déjà cagué avec les deux prêtres. Tu me touches pas! Cours! Wow! Il a failli m'avoir. Je vais m'enfuir! Ok, donc il va falloir que je lui foute le feu. Viens là, Charles. Voilà. On va essayer d'aller voir dans le garage. C'est pas quelque chose. Je vais retourner la croix. Je peux pas la retourner. Putain, je peux pas ouvrir la porte. Tu me touches pas! Vite. Putain, mais il faut faire quoi? Pas la boule de feu parce qu'il arrive. Tiens! En fait, c'est pas la peine de charger à fond. J'essaie de regarder au sol maintenant, c'est pas quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas ouvrir la porte, ça ne sert strictement à rien. Ah, la croix brûlée. Non, tu me touches pas. Oh, ta gueule, ton pouvoir là, la con. La preuve étant que t'arrives pas à compéler grand chose. Tu me touches pas. Oh putain. Ne me touche pas, je t'ai dit. Ah, il veut vraiment me foutre. Donc tu essayes de m'exorciser à coups d'extincteur dans la gueule. Ouais, c'est original. C'est pas quelque chose ici à faire. Mais tu me touches pas. Voyons. Où est-ce que. Je dois faire quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Il va arriver. Il est là. Touche pas. Touche pas. Tu me touches pas, j'ai dit. Ça, je suis sûr que ça peut m'être utile. Oh, ça oui. Tiens. C'est ça. Depuis le début, il me dit mais cette poutre. Marcher comme un badass. Quoi, c'est la fin? Oh non. Oh pas déjà. Il sort du manoir en feu. Badass rien à foutre le gamin. Franchement, c'était un bon jeu. Honnêtement, bon. Si on est objectif, le jeu était très buggé. Il était court et linéaire. Mais putain que c'était jouissif. C'est la première fois qu'il y a un concept comme ça. C'est vraiment un concept excellent. Et franchement, ça valait le coup. Ça valait le coup, c'était excellent. Honnêtement, moi je me suis bien amusé. Je me suis bien amusé du début à la fin. C'est juste dommage que ce soit terminé si vite. Parce que c'est quand même un concept qui peut aller très loin. Si tu sais l'exploiter, tu pourrais faire des séries entières, des jeux et des jeux à l'appel avec un truc comme ça. Si tu arrives à avoir un minimum d'imagination. C'est dommage. Mais honnêtement, moi je me suis bien amusé. On va laisser le crédit défiler. Hein, parce que bon, comme ça au moins. Excuse-moi, je suis un peu mal au ventre. Je suis un peu malade en ce moment. Et on voit, oui, donc WoW, te mettre même le nom des musiques qu'ils ont mis dedans. Parce qu'il faut rappeler que c'est un jeu indé à la base, hein. C'est un jeu indé. À toute sa base.
Donc bon, après c'est sûr que maintenant on peut plus vraiment le qualifier d'un dé, mais ça reste un à la base. En plus voilà, comme ça vous avez tout le nom des musiques, vous pouvez vous repasser autant de fois l'épisode que vous voulez, et être sûr au moins d'avoir, s'il y a une musique qui vous plaît. Putain, même les bruitages, garbagebag.wav. Mon dieu, même les bruitages te donnent les noms. Oh putain, j'étais trop près de mon micro là, je crois. J'ai vraiment pas l'habitude d'un micro fixe. D'habitude, j'ai l'habitude qu'ils me suivent avec ma tête. C'est pour ça que j'avais l'habitude de plus trop bouger la tête. Maintenant, je suis un peu plus libre de mes mouvements, vous voyez. Oh yeah. Je peux danser si je veux. Mais ça ne servirait strictement à rien. Je suis quand même un peu déçu de la fin, honnêtement, je vais vous dire. Parce que. Bon, il y a peut-être. Je sais même pas si y a quelque chose après, mais. Je sais pas, ça m'a un peu déçu. On n'a pas vraiment. Enfin, j'ai pas fait le jeu à 100%. En plus, il manquait. Enfin. Il manquait plus que le fait de ranger le linge dans la buanderie et j'aurais eu le jeu à 100%. Bon, qu'est-ce que c'est ? T'as pas grand-chose. Le boss n'était pas si difficile que ça, hein. Il y avait eu quelques retours plusieurs fois où il disait que c'était difficile, mais c'est facile comme tout. Si tu gères bien ton espace, tu peux les massacrer en 2 secondes. C'est n'importe quoi. Enfin bon, bref. Disons qu'aussi c'est vrai que c'était du combat en temps réel et c'est vrai que le style de gameplay de base du jeu n'était pas trop adapté pour ce type de combat. Mais quand même, il y avait quand même un minimum d'effort. Puis bon, c'est quand même un enfant de 7 ans, excusez-moi. Un peu fatigué, donc on pouvait pas non plus espérer des miracles au niveau de combat. Ce que je me demande, c'est maintenant qu'est-ce qui va lui arriver. Parce que là, on voit donc qu'il y a les sirènes de police. Et il avait appelé du renfort, le mec. Donc, est-ce que Lucius va être arrêté? Est-ce qu'il va tous les buter sans même pas se poser de questions? Je sais pas. Tasse café 2.wave by Slanesh. C'est très utile. Ça me dit quelque chose à ce nom. Slanesh. Je sais pas, ça me dit quelque chose. Un mauvais souvenir. Ça, oui, c'est un mauvais souvenir. Et les flammes sous la pluie, c'est tellement classe. Oh, you have finished the game. Thank you for playing. Bon, et bien maintenant on peut fermer. Et je pense donc on va pouvoir s'arrêter là. Donc voilà, c'était Aquasis pour le let's play de Lucius. J'espère qu'il vous aura plu autant qu'à moi qui m'a plu à le faire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur Facebook ou Twitter si la vidéo vous a plu. Et on se retrouvera donc pour une prochaine aventure. A plus.